Trident, un nom et des motos emblématiques pour Triumph, toujours synonyme de renouveau. En 1968, la Trident T150 devait sauver la marque du tsunami japonais. En 1991, les Trident 750 et 900 signaient la renaissance du constructeur britannique. En 2021, la Trident 660 va certainement bouleverser l'ordre établi sur le marché européen. N'est-ce pas, Maya Camus ? Oui, je sais, j'ai de la chance. On a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir venir essayer cette Triumph Trident aux Canaries, à Tenerife. Et je suis d'autant plus heureuse de vous partager ce moment que je sais que vous êtes tous confinés en France, voilà, donc on ne boude pas notre plaisir. Et surtout, quand c'était pour essayer ça. Triumph arrive sur le segment des roadsters mid-size qui est vraiment le cœur du marché européen et encore plus du marché français avec cette Trident pour manger tout cru, hein, la MT-07, la Z650 et la CB650. Alors est-ce que Triumph a réussi son coup? On vous répond en 3 points. Premier point, et ben déjà le package, look, équipement. Déjà vous voyez qu'elle se distingue quand même énormément de ses concurrentes. Elle reprend un petit peu le style rétro de Triumph, mais c'est très délicat. On voit le joli cadran, la très belle instrumentation. On voit le petit feu à l'avant, on voit les renflements du réservoir. Donc il y a le style Triumph. C'est pas tout à fait rétro, c'est pas tout à fait moderne. Elle se distingue vraiment de la MT-07 et de la Z650. Elle se rapproche un petit peu de la Honda aussi dans la qualité définition. La peinture est vraiment très belle là sur le logo. Il y a des petits logos Triumph ou Trident un petit peu partout, à l'avant, dans le feu. Au niveau finition, c'est vraiment bien réussi. Ensuite, on l'a dit, l'instrumentation, elle est vraiment très chouette. Elle est hyper complète, tout numérique, hein, bien sûr. Viens voir, Julien, là, au soleil couchant devant la mer, c'est encore plus beau. Donc, on a toutes les infos, c'est quand même très lisible. Et on peut tout manipuler grâce au bouton à main gauche. C'est plutôt intuitif. Et cette instrumentation, mes enfants, elle est connectée. Bon, c'est une option. Il y a un petit boîtier à venir mettre sous la selle. Coûte 200 euros de plus, la pose comprise. Dans le package des équipements, il y a quand même pas mal d'électronique puisqu'il y a un ride-by-wire. Il y a donc deux modes de conduite, road ou rain. Sachant que le mode rain ne modifie pas la puissance, hein, c'est juste la réponse à la poignée. On a aussi un anti-patinage. Alors le mode rain gère bien sûr l'anti-patinage et la réponse moteur. Il y a en revanche un seul niveau d'intervention pour l'ABS. Des suspensions Showa avec l'amortisseur qui est réglable en précharge à l'arrière, des pneus Michelin Road 5, des freins Nissin à l'avant. Bref, c'est vraiment un beau package pour cette moto à vocation populaire. Deuxième point, le moteur. Vous entendez le son caractéristique du 3 cylindres avec ce petit sifflement qui n'est pas trop dérangeant, qui est un petit peu masqué par rapport à d'autres 3 cylindres de la marque. Ce segment, c'est maintenant le premier 3 cylindres. Hein. Vous aurez le choix entre les bicylindres Kawa et MT-07 ou la Honda en 4 cylindres. Voilà, on a enfin un 3 cylindres sur ce segment. Triumph ne s'est pas contenté de reprendre la base du 3 cylindres qu'il avait sur les Street Triple. Hein. Il ne s'est pas contenté même de prendre la version 660 qui est sur la Street Triple S. Il a quand même revu tout ça de fond en comble. Hein. Les cotes ne sont pas les mêmes. Tout un tas de modifications, en fait, qui sont destinés à offrir plus d'agréments à bas et mi-régime. Et c'est ma foi tout à fait sensible, surtout sur les 3 premiers rapports, parce que sur les 3 derniers, ça tire un petit peu plus long. Donc on pouvait s'attendre à un petit peu plus de fougue en 4 vers 6000 tours, mais c'est à peu près là où le couple en fait atteint son pic. Mais toujours est-il que bon, il suffit de jouer un petit peu de la boîte qui est tout à fait sérieuse et sans souci. On a aussi un embrayage assisté, du coup le levier est bien souple. «
On a 80 chevaux à 10 250 tours-minute et 64 Nm à 6 250 tours-minute. Bah, c'est des valeurs qui sont un petit peu plus élevées que la MT-07 ou que la Z650. C'est effectivement un petit peu plus faible que la Honda, mais bon, la Honda elle a 4 cylindres et elle a 95 chevaux. Et en fait, ce que Triumph a voulu faire, c'est offrir le maximum de couples sur la plus longue plage. Ce qui fait qu'on a 90% du couple qui se situe entre 3000 et 9000 tours. Et du coup, ça donne du répondant tout le temps. Certes un petit peu de façon linéaire, mais tout compte fait, c'est que en fait on a un moteur hyper élastique, hyper souple, qui répond tout le temps. On est en ville en 6e à 2000 tours, ça reprend sans souci. C'est vraiment l'idéal entre le bicylindre et le 4 cylindres. Troisième point, c'est vraiment le fun factor et déjà l'accessibilité. Hein, je tiens à préciser qu'avec ces 805 mm et une arcade toute fine, j'ai aucun souci avec mon 1m60 pour poser les pieds à terre. Elle est vraiment hyper maniable. 189 kg tout plein fait, voilà, ça devrait poser de problème à aucun gabarit. Et du coup, elle est hyper vive, hyper facile à emmener, tout en restant très saine, très neutre. À aucun moment, en montant sur les petites routes du volcan LTID où c'était bien humide, voire peut-être un petit peu gelé parfois, aucun moment elle a eu de réaction malsaine. Une moto rassurante, voilà, qui conviendra effectivement tout à fait bien aux débutants comme aux pilotes plus aguerris. D'autant plus rassurante qu'elle freine très très bien. Bon feeling, bon dosage, bonne puissance. L'arrière aussi joue bien son rôle. On déclenche un petit peu l'ABS, mais tout ça c'est normal. Le traction control n'est pas du tout perturbant. Voilà, un beau package pour aller bosser tous les jours et pour aller s'amuser le week-end. Est-ce que Triumph va bouffer un petit peu de MT-07 et consorts? Eh bien, la réponse est oui. Pour ce prix-là, on a vraiment un ensemble sans gros défauts, du moins après cette présentation. On les a pas vus. On va finir comme ça au soleil couchant. Rendez-vous en février en concession pour aller l'essayer. Et tous les détails techniques, bien sûr, sur motoservice.com. Check.